Bien, bonjour à toutes et à tous, c'est la 7ème, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z. Dragon Ball Z Xenoverse 2, hein. Bon, je vais pas dire présentation parce que c'est pas vrai. Ça va être une partie où je vais vous montrer quelques trucs du DLC qui vient de sortir. Bon, je vais déjà faire une présentation des personnages. Enfin, non, en fait. Pendant le combat, vous allez voir. Déjà, je vais faire une sorte de mini-mode histoire. Ce qui m'énerve, c'est que c'est que celui-là qui se transforme en SAJ Blue. Sauf que je vais prendre ce Goku. Non, celui-là. Ben, je vais prendre les deux. Tout à l'heure, je vais prendre. Avec Vegeta Blue. Je prends celui-là pour booster, après je vais changer. Donc Black Coco Rosé, Zamasu. Donc pour ceux qui ont regardé mon autre vidéo, en fait j'ai... Bon attends, quel endroit on va prendre? Aléatoire. Faut que ça tombe plage, ok d'accord. Je sais pas s'ils appellent ça une plage, mais franchement. Wesh, ouais, c'est tout. Le ciel il est tout gris. En plus, c'est là qu'ils sont combattus, Freezer et Goku Blue. Oh, tu vois déjà, ça commence fort. Allez, prends ça, Zamasu. Moi j'ai raté mon crash météor. Crash du météor, voilà. Ça c'est bien. Je vais le mettre à terre pour faire ça. Même s'il n'était pas à terre, tant pis. Ça m'énerve quand il fait ça, Zamasu. Vas-y. Attends. Ah si on fait un rappel, ça fait un truc sur l'arrière. Plus c'est utile ça. Oh! Attends, je vais offrir un nouveau truc. Mais ça me saoule, ça m'a saoule ça. Attends, là il m'a énervé. Vas-y, j'ai fait les comme explosé x2 pour rien. Non mais Zamasu sérieux, non mais... Attends, ça commence à m'énerver là. Non, vas-y. Non. Oh ouf. Il m'a pas placé. Oh, non, tu m'as pas. Là, tu m'as eu par contre. Non, il a l'avantage. Ah ouais, chaud. Vegeta, il a crevé. Faut que je prenne. Je prends une super capsule de. Truc petit. T'as l'eau mon allié là. Ah il est là, voilà. Ils ne peuvent pas me lâcher franchement. Attends, mais là on va perdre en fait, je crois. Attends, je vais éliminer Black Goku Rosé parce que il est tard pas affaibli. Oh le salaud. On a perdu, vas-y. Dans tous les cas, c'est pas grave parce que dans la série, normalement, il perd. Après, il fuit. Voilà. Non, je voulais mettre un... Ah, on a gagné, en fait. Ah, non. Parce que, je sais pas, ils ont mis
Le truc bleu. Bon, maintenant on va faire un combat. Enfin, et pas le. C'est pas le dernier combat, mais voilà quoi. Tarek et je raconte des bleus. Oh non, c'est deux équipes. Ok, mais je vous préviens tout de suite. Ce que j'aime avec ce lot blanc. Ce que j'aime avec le Goku Blue. Que là j'ai pris ou je vais prendre. Non, que je vais prendre. Mais en fait, c'est que son. Comment on appelle ça déjà? C'est que son Kaioken, il est trop. Mais alors, trop d'art. Son Kaioken, il est exceptionnel en fait. Il n'y en a pas deux des Kaioken comme ça. Enfin, des SAG Blue Kaioken comme ça. Là, j'affronte Zamasu. Non, si Zamasu. Oui, Zamasu. Après, avec Vegeta, je vais affronter l'autre là. Je vais faire moins des Kaioshin puisque c'est un apprenti Kaioshin. La vie, je suis gentil. Hein. J'aurais pu mettre un endroit qui m'est familier, genre. Le Tenkanchi Budokai ou un autre truc, tu vois. Ah, oh, j'adore cette tenue. Ah, oh, je l'ai raté. Arrête de gigoter. Bon, en fait, je vais faire que des combats pour présenter le Trunks et Kari. Je vais faire une quête parallèle. Mais dans un autre épisode, je pense. Non, en fait, non, je crois que je vais faire que des combats. Oh, le... Non, 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 oh yes. Ok, on va voir un peu les techniques. Super point de jeu, vous connaissez tous, toi, avance. Aouh! Non, mais franchement, ils sont chauds, les gars du DLC4. Enfin, 3. Non, du DLC4, ça, c'est une autre histoire. Voilà. Si tu t'es pris une bonne giclée là. Une giclée 3000. Attends, pourquoi j'ai raté en fait? Attends. Je vais mettre un SAG bleu. Kaioken x 10. Que c'est la fin du combat là. Bon non en fait pas maintenant. Je sais pas maintenant ou pas, tu vois. Parce que c'est chaud. Attends, si vas-y. Non, je l'ai raté. Par contre, s'il me fait des dégâts là, ça y est, ça va être chaud. Donc, faut pas qu'il me fasse de dégâts. Super caméra. Ok. Victoire. Bon, c'était chaud, mais on a gagné. On a gagné, ouais. Il est trop classe. Retour à choisir. Maintenant, je vais prendre le nouveau Vegeta Blue. Le problème, c'est que Vegeta, il n'y a même pas un nouveau truc. Tu vois, ça, c'est mieux. Bon, franchement, surtout, j'adore une technique qui est le flash concentré. Oh là là. Oh, flash concentré. Non. Elle est trop chouette, cette technique. Ok, donc là, comme endroit, je vais faire. Ruine de la ville Est, puisque en réalité c'est ville du futur, je crois. Non, je suis pas sûr. Non, je crois pas. Franchement, en fait, les tenues, la coupe de Black Goku Rosé et Black Goku et Goku SAG2, SAG. Pas SAG1, SAG2, je crois. Ils sont classe. Hein. Le salon. La vie peut pas gagner. Voilà. Maintenant, flash concentré. Voilà, oh oui. Oh oui. Oh oui, les dégâts. Voilà, c'est pour ça que j'aime cette technique, le flash concentré. T'as vu? T'es bon. Est-ce que tu peux rivaliser? Qui peut rivaliser, monsieur? Hein, dis-moi quelqu'un qui peut rivaliser avec ça. Aïe, aïe, aïe. Non, mais. Tu vois, j'ai vu, on était amis. Mais. Pas de pitié, mais. Tu vois, pas de pitié, pas de carton. Voilà.
il lui reste que ça. Genre comme comme dans le mode histoire. Comme dans le mode histoire. T'as pas pu résister à la tentation. Ok, donc là, ça va être le combat ultime, train de foutre. Sauf que, puisqu'il affronte Zamasu fusionné et corrompu, ben je vais prendre. Ben j'ai affronté Bojack. Ouais, on va s'affronter. Ici. C'est bien ici. Ok, la vie de moi. Là, je vais donner un truc. Là, je vais faire deux combats avec Trunks et Carrez. Enfin, avec ce Trunks et Carrez. Parce que. Il y en a plusieurs. Attendez, je charge tout mon kit pour vous montrer la magnifique épée de l'espoir. Une épée contenant tout l'espoir de tous les humains sur Terre. Oh my god. Oh non, là il fait trop grand, Jersey. Vas-y. Vous allez voir, je kiffe cette épée. Je crois que ça fait partie de ce que je prie. Oh mince. Mais non, mais ça... Non, alors vous savez quoi? L'ulti de l'épée de l'espoir, je vais la garder pour la fin. Oh là. Si j'arrive à la placer, vous allez voir sa puissance inimaginable. Oh, arrête ça, arrête. Pourquoi tu continues? Je te dis arrête, il continue. Après je vais lui dire dab, il va lui dab à gauche, il va dab à droite. Mon ami, mon pire ennemi, c'est pas un faute. Mais cours, 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 Trunks du futur, il est trop chaud ce type. Oh là 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 là, bon. Ça va, pour l'instant j'ai un petit avantage, tu vois, je suis en train de l'enchaîner, easy game, tu vois, on dirait qu'il commence à flipper, même s'il n'est pas du tout en réalité, mais ça va, lumière tranchante, quoi, j'ai failli, encore, non mais sérieux, c'est quoi. Et il m'a énervé là, vraiment il m'a trop énervé là. Et je vais le terminer avec l'épée de l'espoir. Avec l'épée de l'espoir. Là il va avoir une atroce douleur en lui. Voilà. Voilà. On n'en parle plus de ce type maintenant. Son vieux calot là. Vous savez quoi, on va refaire un petit combat. On va refaire le même en fait. Et là, je vais tout faire pour le déglinguer vite fait. En fait, il faut que je le déglingue à la moitié du temps en partie. Et Bojack, il a des bons réflexes, ça c'est chaud. Tu vois. Mais par contre, il y a une qualité, enfin un défaut, c'est qu'il est lent. Quand je dis il est lent, s'il y a plein de gens qui sont plus rapides que lui, sauf que voilà, quand on se crête, il est bien rapide. Pour nous, les terriens. Non mais j'aime pas cette technique, elle est trop cheatée, le dôme là. Dôme d'énergie, je crois, un truc comme ça. Non, barrière psychiatrique, je sais pas quoi. Pourquoi psychiatrique, moi je suis con. Non mais ah, en fait j'ai même pas vu le truc venir, j'étais trop concentré sur. Je sais même pas, j'étais concentré sur quoi. Voilà, je l'en ai mis deux, ils sont pas si easy. Voilà, c'est magnifique. Bon, ben c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la chaîne, pouce bleu, abonnez-vous.